Les spécialistes du TOEF retour ce soir sur la deuxième journée de la saison avec ce triplé de l'écurie Gilbert Roussette, notamment la victoire d'Ali Hassat dans l'épreuve principale. Michel Tiha donc 3 victoires, mais également 2 suspensions pour le jockey mauricien. Les nouveaux coursiers qui font la loi, il y a eu la victoire de Eurotech, Culture Trip ou encore de Go Jewel lors de la journée de samedi dernier. Dynamite Jack qui continue son ascension au Champ de Mars, ce coursier qui a encore impressionné samedi. Roman Dancer qui remporte sa course, mais une nouvelle fois qui a saigné Roman Dancer, coursier d'écurie Gujedar. Et Cap samedi prochain sur la Duchesse, la première course classique de la saison. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOEF. Nitin, bonsoir. Bonsoir, adieu. Nitin Ali Hassat qui vient carrément faire la différence sur la ligne d'arrivée. Nous pourrons venir sur le plateau dans quelques instants pour cause davantage là-dessus. Nous allons régler ensemble pour cette épreuve. Départ de l'épreuve principale, 1400 mètres à parcourir avec Wall, Tag et Horse Guards sollicités. Horse Guards qui va se montrer le plus rapide devant Wall, Tag, Heidi Tarot Trail, Vasco Street Tractor, Opéra Royal en épaisseur Hailer. Ensuite, on retrouve Ideal Secret, Ali Hassat à l'arrière avec Table Bay qui ferme le cortège aux abords du tombeau malartique. Horse Guards avec Sonaram donc qui dirige les opérations. Demi longueur d'avance sur Vasco Street Tractor. Dinesh Souffol qui tente de prendre le meilleur sur Horse Guards. Et là, à l'extérieur de Wall Tag, bien placé en quatrième position, lui. Ensuite, Opéra Royal, Heidi Tarot Trail calé à la corde. Ideal Secret, Al Yassat à l'extérieur de Ideal Secret Table Bay. Ferme le cortège, bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Vasco Street Tractor qui a pris les choses en main devant Horse Guards, Hailer. Wall Tag toujours bien placé. Ali Hassat commence son effort, lancé par Michel Tiha, Opéra Royal. Heidi Tarot Trail qui tente de se dégager de là. Ideal Secret va profiter et améliore sa position. Table Bay aura à contourner le peloton. Les chevaux à bord de la course pour entrer dans la ligne droite finale avec Vasco Street Tractor lancé par Dinesh Souffol à l'intérieur. Ideal Secret, Heidi Tarot Trail, Wall Tag à l'extérieur, Ali Hassat complètement dehors. Ideal Secret à la corde avec Horse Guards, Ali Hassat avec Wall Tag, Ideal Secret, Horse Guards avec Ali Hassat à l'extérieur. Belle arrivée, même Wall Tag est là. Ali Hassat qui fausse donc la décision, une sacrée performance. Point de course de reprise. Oui, bien dire qu'après le bel hommage rendu par le Mauritius Turf Club avant le début de cette deuxième journée, l'écurie Roussette, sur le tour de l'écurie Roussette et Denis Chaltia, donc d'honorer la mémoire de Nourès Jaglan, l'ombre de Nourès Jaglan qui nous planait tout au long de cette deuxième journée, l'écurie Roussette qui finit ramène N. Brillant triplé avec comme cerise sur le gâteau la victoire de Ali Hassat sur 1400 mètres dans l'épreuve principale. Ali Hassat, c'était un man coursier fétiche de Nourès Jaglan. Ces vals-là, 1400 mètres, ça paraît peut-être un peu cher pour lui. Il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais Lynn Galop avec beaucoup l'équerre et bien monté par Nishaldia. Il finit. Si, une belle victoire, un peu dans le même style qu'il y remporte ce dernier les courses l'année dernière, lors de la 29e journée, quand il y bat Vedaza et Fools Gold au 1850 mètres. Il fallait pratiquement de manière identique samedi dernier Ali Hassat, et certainement une cheval qui est encore beaucoup à nous montrer au Champ de Mars. Oui, c'est ce classe qui permet de faire la différence aussi. 1400 mètres là, peut même paraître un peu chaud pour lui. Il n'est pas fini les courses faciles, c'est tout contre Ban Lightweight qui fait une dispute l'arrivée avec lui. Mais Tiagne bien zi sur les courses et ces vals là, il donne tout dans la ligne droite pour faire la différence. Et vous allez dire que malgré une blessure, il finit de contacter pendant les courses parce qu'il finit de retourner, il participe stride bien à son retour au paddock. Nous regrette la course maintenant. Avec les détails, d'abord le départ. Oui, c'est un incident au départ. Quand Ali Hassat est un peu incommodé parce que Horse Guard coupe un peu vite devant lui. En même temps, nous trouvons Hela également à l'extérieur, permet une Vasco Street Tractor au lit. Ban commissaire finit averti un peu sur la rampe. Pas fini en contact contre Ban Chevoula, mais maintenant il fait un peu plus attention quand il peut rabattre à l'intérieur à l'avenir.
Et puis, finalement, un incident que Wall Tag finit jeune à l'Itaro Trail, donc au passage du but. Et pour sa faute-là, l'apprenti Alvin Yoroi finit plus coupable pour KLS Riding. Il finit jeune à l'Itaro Trail et il finit coupe 2 semaines de suspension pour KLS Riding. Sur la partie initiale, une fois en tête, Hose Guard finit réduire le train. Un peu trop au goût des commissaires, un commissaire qui finit réprimande l'apprenti Sonaram. Une fois qu'il a montré l'intention pour aller devant, il faisait ce cheval galoper un peu plus, pas ramener ce cheval autant. D'ailleurs, à un moment, avec le pas qui finit ralenti devant, il trouvait Dine Souffle, finit prendre l'initiative sur Vasco Street Tractor pour prendre le lead. Et là, nous trouvons Aliasat pratiquement en avant-dernière position, en queue de peloton de Nathé Boulbia, sur l'intérieur dans Ideal Secret, là, très lent, accéléré. Et nous trouvons Woltag en troisième position derrière Rose Gold. Et nous trouvons Rose Gold, petit bon, à un moment, il peut rentrer à l'intérieur. Peut-être, à un moment, si nous pensons à Alvin Yoroi, qui est capable de rester à l'intérieur, mais là, nous trouvons Rose Gold, requitte bon, revient à l'intérieur. Peut-être ça qui fin, faut aussi pour Amour sur l'attaque à l'extérieur. Au même moment, Aliasat peut improve pratiquement 5 wide. Woltag sortit, quitte les bords. Ideal Secret parle profit de sa inside run là. Là, à ce stade, je pensais, comme on peut dire des courses, c'est plus difficile pour Aliasat parce que Woltag peut sprinter avec seulement 53,5 kg. Aliasat, lui, il en a 61 kg. À l'intérieur, il y en a Ideal Secret également qui est légèrement handicapé. Mais Aliasat pour démontrer sa classe dans les derniers mètres pour venir souffler la victoire à Woltag et Ideal Secret. Très belle victoire, bien montée donc, très belle montée de Nishal Tia qui va finir de se voir un joli triplé et lors de cette deuxième journée en l'absence de Nourez Jaglal et d'Amène à bon port. Aliasat, c'est une victoire certainement symbolique pour l'écurie Rousset après les événements tragiques de la semaine dernière. Ramené victorieusement, Aliasat, victoire dédiée bien sûr à Nourez Jaglal. Donc une belle course qui nous capable attendre de ce coursier. Nous connaît, il y a un bon coursier qui vient être importé, mais lui, il y a un avantage d'être là depuis la saison dernière. Qui nous capable d'attendre de l'île cette année? Bon, même si sa condition n'est pas encore tout à fait au point, le film montre où sa classe est finie à l'écroussant. Bon, l'opposition n'est pas extraordinaire, mais il y a quand même beaucoup de mérite dans sa l'écroussant. Son objectif, c'est une grande course, une course classique, Barbie, et son principal objectif. L'année dernière, il finit battre White River, mais il finit jouer de la malchance dans une classique, la Duchesse et la Coupe d'eau, quand il finit Tom Lowe. Black and Back, il paraît qu'il y avait plus de maturité. D'ailleurs, nous trouvé au départ, il finit plus ou moins pour un meilleur départ par rapport à ce moment des courses l'année dernière. Donc, nous sommes capables d'attendre qu'il puisse continuer à progresser et à pouvoir jouer dans les courses. Nous faisons compte avec lui définitivement. Tiha qui mène à bon port un peu plus bonheur pour la première victoire de la journée. Paddington Sluck qui finale devant et après, ils obtiennent une jolie accélération. Oui, Défin profite pleinement sur le premier couloir. Et l'inal devant, c'est un cheval qui a stamina et à partir de 600 mètres, Tian, il se cheval galopé et Défin asphyxié sur mon adversaire. Défin, sur cette victoire, couloir numéro 1, Paddington Sluck. Oui, nous trouvons Lagacho, Défin prend un bon départ, tout comme Hit Down à l'extérieur, mais Tian, Défin bounce ce cheval. Pour garder sa position et tirer profit de ce premier couloir. Le jockey O'Donoghue, il paraît qu'il n'est pas très intéressé pour aller devant dans les courses avec Lagacho, qui est plus un finisseur. Donc, il poursuit pour la suite en deuxième voire troisième position. Lagacho qui, ce n'était pas le Lagacho des grands jours. C'est-à-dire qu'à l'entraînement également, il n'est pas encore paraît tout à fait au point, même dans le rond. C'est que pour arriver dans les courses, la gâchée n'est pas travail du tout dans les courses. Donc, sa file-là, il divise en deux
il y a plusieurs chevaux qui suivent l'Agacio et ils ont fini piégés derrière l'Agacio. Et devant, c'est Nazis Deceval qui peut galoper, Paddington Sluck est down on me. Et Paddington Sluck fait montrer lui intraitable à l'avant et Nao Fazman pas fin démérité, surtout qu'il est final piégé derrière l'Agacio. Et ça finit faire donc les affaires de Paddington Sluck qui pas fin vol sur victoire, il est dans un joli style. Donc, vous allez dire, c'est la partie qui remporte la moindre victoire l'année dernière. Et de ce fait, il a dit quelques points précieux sur l'échelle des valeurs. Il est là, il n'est pas fin de commettre d'erreur et il signe une belle victoire. Elle n'est pas bien jugée une nouvelle fois par Tia. Paddington Sluck, Nishal Tiha, qui signe un triplé lors de cette journée, mais qui prend tout 4 semaines de suspension. Oui, il est très motivé pour bien faire en l'absence de Jack Lang. Les Finns ramènent 3 victoires. Ce victoire, le capitaine Garrett, si tu as l'autre jockey de sa place, peut-être c'est valable pas pour gagner, parce que les Finns prend beaucoup de risques dans sa course. Un risque inconsidéré, surtout après les événements de la semaine dernière. Bon, les Finns ramènent malgré tout la victoire, mais pour ça, la montre là, les Finns écopent quand même 2 semaines de suspension pour montre dangereuse et Ligne écope également 2 semaines de suspension hier pour la montre pour une faute, le Break the Silence dans la 8e course, quand les Finns gênent un peu quelques trips. Le capitaine Garrett d'abord est sanctionné dès samedi pour cette montre. Qu'est-ce que le commissaire reproche à Nishal Tiha? Bon, les bons nous regrettent film les courses. Hein. Bon, c'est-à-dire, tu montres le plus rapide, un des plus rapides à l'ouverture des boîtes à l'intérieur de ce premier couloir. Capitaine Garrett sorti du 7e couloir, mais Tiha, nous connaissons sa faculté et il est capable, c'est une bonne meilleure jockey ici, l'opposition, c'est val. L'on la piste, il réussit sûrement assez facilement sa 7e ligne là. L'ON 990 mètres, pas si évident, mais il fait le plus difficile. Après 150 mètres les courses, il retrouve lui dans le dos de Master J qui est le favori. Par la suite, Karen a trouvé que le jockey O'Donoghue quitte l'espace à son intérieur. Sauf que l'espace là, selon un commissaire, peine assez l'espace pour N séval rentre à l'intérieur. Il a l'espace pour peut-être 3 corps séval. Le jockey Tiha de se défense, il dit comme ça, il trouve ça l'espace ça. Il pense qu'il y a assez l'espace pour un cheval et il finit. Et ce cheval qui est bien clean. Vous trouvez ce cheval, le cheval là aussi, il trouve ça gap là, ce cheval là aussi environ là. Et Tiha, il est libre entre là-dedans. Mais sauf qu'il n'a pas tiena suffisamment l'espace selon les commissaires. Et même le jockey O'Donoghue, il paraît surpris d'être en trouver un cheval, puis il prouve dans sa gap là sur l'intérieur parce que le gap là est vraiment étroit. Et nous trouvons que quand Tiha improve à l'intérieur, ce cheval il est un peu débalancé parce qu'il frôle avec les rails. Et il donne ce cheval un coup de cravasse également pour, parce que ce cheval a un peu hésité pour rentrer dans sa gapla, tellement gapla est étroit. Donc il donne un coup de cravasse qu'on nous trouver sur les images pour encourager, foncer et rentrer là-dedans. Mais là, Liffin prend un risque inconsidéré. Selon le commissaire, nous avons tout ça au film 75 000. Nous bien, vous trouvez ce cheval pour même jump crossing et pour un peu débalancer la ligne jump crossing et du parle frôle au rail. Bon, vous allez dire que le jockey de l'écurie Gadjador, dans ce cas-là, bon, si tu es dans les autres jockeys, tu es capable de refaire en dents et ça, tu es capable de causer un accident et tu es capable de retrouver la piste également. Mais le jockey de l'écurie, il n'a assez fait appeler sur le coup et nous trouvait que s'il pense uniquement à la victoire capable de faire ça, mais il a su également ce safety et safety du jockey Tiha à cette occasion. Le capitaine Garrett éventuellement pour faire la différence. Bon, il y a beaucoup de monde qui dit si Tiha n'a pas pu prendre ce risque-là, peut-être qu'il est parti pour gagner les courses. Hein. Mais c'est vrai, oui, mais les Finns mettent sur la vie et la vie sur les autres collègues également en danger. Et c'est la raison pour laquelle Kimban Commissaire finit sanctionné. Et à ce dessin, je veux dire qu'il me pensait qu'il reconnaît que les Finns font une erreur parce qu'il est plus coupable pour Reckless Riding
lors de cette enquête-là. Et ben, le commissaire finit sanctionné 2 semaines de suspension. Et comme on expecte, le jockey, l'écrit Gadidon, qu'on a trouvé lors du lead-in de Captain Garrett, il tient dans quelques mots, qu'il finit d'échanger avec Tian, il finit de demander qui le jockey de Gadidon, tu peux y aller quand tu peux retourner. Il y a un commissaire qui est le jockey, peut y aller comme ça la prochaine fois, tu ne peux pas passer, que tu finis de passer parce que c'est dangereux. Moi, mon pensée, enfin, même si nous pas capable de dire, quand il finit par ça à l'intérieur, ce n'est pas un jump crossing, ce n'est pas un débalancé des fois, ce n'est pas un pire pour un cap là. Peut-être même si il est capable de tuer les coups, ça malgré tout, je pense. Parce que c'est valable vraiment dans un joli style. Oui, et cette saison, plus que jamais, après sa drame lors de la première journée là, et c'est un appel que je pense tout le monde au champ de Moss fait à man jockey. Oui. Déjà, le travail est à risque. Autant qu'il se prend en cours plus précaution, en course, mieux vaut perdre les courses qui perdent. Définitivement, il n'a pas envie de revivre ce que nous vivons la semaine dernière. D'ailleurs, avant la journée, Radier, le commissaire s'appelle tout man jockey pour dire maintenant faire preuve de plus de prudence. D'ailleurs, après l'enquête Break the Silence, qui a fini comme 2 semaines de suspension, le commissaire Hugues Migros finit de remonter un peu sur Bretel, finit d'aller, il n'est plus dans 20 ans, il y a une père de famille, et après l'accident qui finit d'arriver la semaine dernière, il vient montrer lui un peu plus responsable et montrer lui beaucoup plus prudent pour son safety, mais également pour safety ben les autres riders. Break the Silence, justement, une note la montre que Tia finit de sanctionner. Oui. Bon, incident-là, pas aussi grave qu'il s'est connu, mais la norme, désormais, 2 semaines de suspension quand vous faites LS Riding, nous guette film-là, quand ben, comme ça, finirait aussi, finirait une telle trip qui est montée par Robbie Bicari. Robbie Bicari finit dire que ce cheval est un soft mouth. Il dit comme ça, tu es en place Zizi Santli et Johnny Pellin, quand Break the Silence est rentré. Il dit qu'il finit de reprendre ce cheval, mais l'interférence là, il paraît vilain parce que ce cheval a tendance à lever la tête. Il dit, mais ce cheval lui-même, il finit de décider pour prendre la position là, mais quand il finit de reprendre ce cheval légèrement, ce cheval n'est pas soft mouth et ce cheval a tendance à lever la tête. Et ça qui fait que l'interférence là looks aussi bad. Mais le ben, commissaire il estime qu'il n'y a pas tout à fait clair et je viens de sanctionner donc 2 semaines encore. Et vous allez dire que le règlement cette année-là, ben, nous n'est pas capable de prendre une suspension, 2 suspensions concurremment. Donc, il y a à l'arrivée, il y a 4 semaines de suspension, donc 2 lots pour l'incident qui finit d'arriver. Sur Captain Garrett et 2 sur Break the Silence, donc 4 semaines sur la touche pour Michel Tia. Ce qui est dommage parce que il finit quand même ramène aussi un triplé. Mais je pensais, d'ailleurs, nous finissons de rouvrir la journée de samedi, on a remarqué que Banjoki peut prendre beaucoup plus de précautions et qui a une sanction, il a fait d'autres réfléchir davantage. Le man risque qu'il prend dans les courses. Dans le man nouveau coursier qui débute bien au champ de Moss, nous avons beaucoup nouveau, nous vient dire, cette année-ci, et nous expectons qu'il, au demain différentes journées, trouve un nouveau début victorieusement. Finalement, par exemple, Eurotech, un outsider dans la première course. Oui, le fil de la première course n'était pas extraordinaire et ce n'est pas étonnant, on nous retrouve de nouveau Eurotech et Red Force One qui finissent disputent la victoire. Peut-être que Red Force One tient un peu plus fit qu'il a plus de travail qu'Eurotech, mais Eurotech finit peut-être montrer du moins green par rapport à Red Force One et il finit dans les courses idéales d'y aller 2 minutes des favoris. Qui finit la guerre devant et les finit bien accélérer en ligne droite pour repousser l'attaque de Red Force One. Nous revenons sur cette première course avec 2 nouveaux coursiers intéressants. Nous mettons le départ. Oui, au départ, en taxe,
bien souhaité pour aller diriger les opérations devant Rat Stuff qui est le grand favori. Mais une fois qu'il en taxe pour aller devant, nous trouvons Pravé Choril pour ramener un peu ce cheval et The Rat Stuff derrière et un Pékin. Et Sonaram pour Kid Bob, pour Vingalo, pour Anouf à l'extérieur de Rat Stuff. Il a train pour accélérer et ça pour faire les affaires de Eurotech qui est dans le boxeat en troisième position. Red Force One, nous trouvons. Et un peu green low crossing avec Aliosen. La traîne accélérée sensiblement, Eurotech bien placée. Et Red Force One également sous pression en cinquième position. Vous trouvez à chaque fois qu'il passe le crossing, nous trouvons qu'il perdit un peu terrain Red Force One, mais il pourrait bien revenir en fin de parcours pour taquiner sérieusement Eurotech pour la victoire finale. Eurotech pour résister jusqu'au bout. Troisième sortie seulement pour ce coursier de l'écurie Mingor. Il y a le 2, les courses en Afrique du Sud sous les couleurs de l'écurie Mingor. Et il pour résister au retour de Red Force One qui certainement pour appeler à progresser avec une course dans les jambes. Culture Trip, l'autre nouveau, a débuté victorieusement. Et dans sa course-là, c'est trois nouveaux qui partagent trois premières places. Oui, la supériorité des nouveaux, une nouvelle fois confirmée. Et dans cette épreuve Radjiv, Culture Trip, c'est un cheval quand même qui n'a pas fini de galoper depuis le 24 mars 2020. Donc là, Cyrus Narang finit à battre un gros travail avec ce cheval-là. Il y a beaucoup de travail. Ce gros galop mardi dernier était très intéressant avec Vaughn Anyway. Et ce cheval-là confirme ses belles dispositions. Bien monté par Ruby Bikari qui n'a pas fini de paniquer, même si en deux occasions, il finit gêné dans sa dépoussa. Fin récit, garde suffisamment de ressources dans la ligne droite pour venir dominer Juniper Lane, qui n'a pas fini de démériter, qui n'a pas fait mieux si il est parti green dans la ligne droite. Culture Trip nous vient l'Ocho Victoire dans l'avant-dernière course de la journée. Sorti du deuxième couloir, Juniper Lane pour prendre la direction des opérations devant Break the Silence. Et dans un premier temps, il peut subir sa petite interférence dont Tia a été trouvé coupable sur Break the Silence. Ils suivent en quatrième position. Par la suite, ils peuvent subir pression Quarry of Angels qui poussait rendre devant lui avec Tejas Jaglal. Mais ils criaient et ils gardent sa position. Et là, ils peuvent bénéficier d'un boulevard étant Nishaltia pour bouge à l'extérieur sur Break the Silence pour attaquer Juniper Lane. Donc, ils peuvent progresser à l'intérieur de Juniper Lane et les bougies à inside run là. Et il faut bien accélérer pour dominer Juniper Lane. Vous trouvez Juniper Lane peut jouer avec ses oreilles et il peut aller vers l'extérieur et il peut payer 10 terrains. Il revient vers l'intérieur pour la suite sous la cravache, mais Culture Trip, peut-être c'est sur l'expérience qui permet de lui faire la différence, Radio. Face à Juniper Lane, un bon coursier visiblement lui aussi. Prend la deuxième place, Break the Silence, troisième. La victoire de Culture Trip, Robbie Bikari avec Rich Narang, un doublé grâce à Culture Trip, un peu plus bonnet, tient Heart of Darkness. Oui, Heart of Darkness, Zamien qui était dans la deuxième course, il y a une course tranquille devant et dans une circonstance pareille, il est toujours difficile à rattraper en ligne droite et il domine le favori Flower Skill. Heart of Darkness dans le Getsu Depot, premier couloir. Oui, premier couloir, un gros avantage pour lui. Première fois, l'équipe évolue à ce niveau-là, 0,26. Et personne ne va finir galop avec lui devant et il finit l'occasion de contrôler les opérations à sa guise et il finit réduire la course à un sprint. Il a trouvé Cap Coutin en deuxième position. Mais les autres chevaux qui sont capables de galoper lui devant, pas final devant et il y a le loisir, dicter le train comme les gens et le peloton assez compact des galeries qu'on va nous trouver à dire. Et dans une condition pareille, Heart of Darkness toujours très redoutable. Là, il lance le sprint graduellement. Et Flower Escape, le favori, pas pour essayer de faire ce retard dans la ligne droite finale.
Out of Darkness devant Flower Escape. Et Dream Forest à l'intérieur qui termine bien. Oui, Dream Forest termine bien. Très bonne performance, surtout si nous prenons en considération les courses que de passer notre train. Shirish Narang, Robby Bikari et Vishal Ramana qui est également présent au sein de cet établissement depuis quelques mois maintenant. D'ailleurs, nous pouvons écouter les impressions de Vishal Ramana. Vishal est doublé en tant qu'assistant entraîneur et également propriétaire chez l'écurie Shirish Narang samedi. Nous vous avons dit qu'il Heart of Darkness frappe d'entrée malgré une longue absence en compétition. Mais nous vous avons dit qu'il le fait qu'il ait une lead, il gagne la première lead, tout fin déroule dans sa faveur. Et c'est pour cette raison-là qu'il réussit à faire la différence. Écoute, Heart of Darkness, c'est un cheval qui peut descendre de la classe aussi. Comparé globalement, c'est vrai que tu es monté par exemple sur compétition direct Flower Escape. Qui nous tu penses, Flower Escape, pour un isodier. Mais nous avons la confiance dans un cheval qui, si il lead easy, it will be hard to beat. Basé sur ce travail qu'il nous montre dans l'entraînement. Et début victorieux de Culture Trip qui fait une rattrape plot nouveau d'Uniper Lane qui te lead dans sa course là. Nous vous avons dit qu'il par rapport à son maturité, c'est qu'il a démontré définitivement un coucher très prometteur à l'écurie. Écoute, ça c'est vrai, dans l'entraînement, il a montré tout ce qu'il a besoin de montrer à The Winner. Donc je pense que l'écurie, nous sommes assez confiants dans sa très bonne performance. Et qui, quand on guette le fil, basé sur notre travail qu'il fait, c'est un worthy winner. Tu veux ça gagne là. Et qui nous bien content pour l'écurie, pour son même propriétaire. Et pensez que c'est valable pour faire un coup bien devant. Et également, nous notons la très bonne troisième place de Potawatomi. On a un coucher sur lequel on prend beaucoup de patience. Et ça, vraiment, fait au plaisir de trouver les performances comme ça à sa rentrée. Écoute, Potawatomi, c'est une longue histoire, mais disons qu'il montrait un début très encourageant. Je pense avec distance, il est capable d'amener une victoire ou bien deux pour sa saison. Et comment on qualifie la performance du nouveau Desert Illusion pour ce premier sorti sur 990 mètres? Écoute, c'est un cheval qui nous estime beaucoup. Nous pensons que ce rating-là, pas ce rating. Malheureusement, il y a une saison qui est arrivée dans deux courses. Mais disons qu'il faut cheval à suivre pour l'avenir. Michel, il y a un nouveau qui n'a pas laissé insensible ben, ce présent à l'entraînement, c'est Var Anyway, qui finit par un bon gros galop la semaine dernière. Est-ce qu'il est capable de confirmer que sa course là vraiment il peut progresser comme un bisin? Écoute, honnêtement, il n'est pas plus de moi, ça se fait comme bisin jusqu'à maintenant. Je pensais qu'il est pour bisin encore au travail et pour y arriver sur le niveau que du bisin. Mais disons c'est un cheval à voir pour l'avenir. Il y a également l'autre nouveau, Six Degrees, qui finit par un Boyer Trial mardi matin. Comment ça ce cheval-là peut progresser au fil de ce man workouts? Écoute, c'est un cheval qui progresse très bien. On pense qu'il y a une forme sud-africaine pas mauvais. Et il y a une satisfaction à mes yeux depuis faire ce man training. Donc, définitivement, c'est un cheval à suivre. Et qu'en est-il de l'autre nouveau, African Rock? Encore une fois, c'est un cheval qui peut montrer nous un bon signe. Mais définitivement, c'est un cheval qui nous besoin les autres pour l'avenir, mais pas tout de suite. Un petit cheval qui vraiment nous connaît ou bien est à cœur, c'est El Patron. Lui également, comment peut passer sa progression? Écoute, très bien. Nous prenons le temps avec lui, nous apprécions. C'est un petit cheval, c'est un blidé aussi. Donc, mais c'est un cheval qui est difficilement pour une nouvelle victoire cette saison-là. Et nous avons une grande espérance. Et qu'en est-il de la préparation et la forme de Toro Bravo? Et très bien. Un cheval est très bien. C'est un petit champion de lui-même. Donc, nous espérons qu'il nous donne. Nous aussi, joueurs qui balancent une gagne l'année dernière et qui s'en remercient pour performance good as. Et nous pas capables sans passe à The Dazzler, qui vraiment tient impressionnant lors de sa dernière participation la saison dernière. Lui également, un petit mot lors de son workout ces derniers temps. Écoute, Dazzler, c'est un naturel galopeur. C'est un cheval qui donne tout le temps la satisfaction de tout. Et même qui me connaît, qui nous parle taper un bon cheval, qui d'ici dit pas mis un bon cheval. Donc, mais sa préparation est extrêmement très bien. Et je pense que nous pouvons pour mes. Sinon, Vishal, un petit coucher qui vraiment bien estimé et où trouvez peut progresser comme un bisin et où pensez pour une big runner la prochaine fois? Écoute, pour moi, c'est des jeunes. C'est un cheval qui m'estime beaucoup et je pense qu'il vous fait très bien ici. Des propos recueillis par Kamlesh Rajkumar. Dans le dernier course, Go Jewel, qui
sens du pied à temps et de quelle manière? Oui, bon, l'autre forme sud-africaine, il se paraît au-dessus du lot, mais le seul souci qui nous tient là, c'est qu'il partit galoper quand même depuis pratiquement 2 ans. Ici, il y a un man pépin au genou, pas fait de travail pendant longtemps, mais bien félicite sur l'entourage qui finit de prendre beaucoup de patience avec lui. Et bien monté par Dinesh Chauffoul, il démontrait une belle accélération dans la ligne droite pour remporter la victoire devant Newsman qui a une nouvelle forme à chanceux. Nous regrette la dernière course, côté de finisseur pour une faire l'arrivée. Oui, Godjouel sorti du 6e couloir. Arctic Flyer finit de prendre un bon départ pour une fois avec le jockey Kalichiren, mais peut-être nous trouvons que c'est valable pour le prendre la main quand le jockey Kalichiren va le donner un coup de cravasse comme on nous trouvait là. Là, c'est valable, là, prend l'air et aller. Et nous devons continuer Bouncely et c'est une impression, c'est vrai, Real Vision sur l'extérieur, c'est également Denzi complètement à l'extérieur. Mais entre 600 et 400, peut-être qu'il parlait un peu trop vite. Pendant un incident en descente, que Godjouel pour être incommodé, Prabé Souril pour être 2 semaines de suspension parce qu'il parlait de Zen Chaptra et Godjouel. Donc 2 semaines pour KLS Riding. Godjouel perd sa position, retourné en avant-dernière position devant Newsman, qui a outpace également, qui était gêné au départ. Et là, entre 600 et 400, Arctic Flyer pour aller beaucoup trop vite, Rajiv. Il peut faire sa laps des 100 mètres en 9 secondes. Beaucoup, beaucoup trop vite, on va dire, Emerald Ben. Et il peut aller tellement vite, parce que si, finalement, vous trouvez Deceval qui est dernier au 400, c'est Godjouel et Newsman. Newsman qui est encore incommodé ici parce que Godjouel peut gêner par Chap Trap qui bouge à droite à gauche. Et c'est Deceval qui est derrière encore au 300 qui pour terminer le plus fort parce qu'il devant le meneur piale beaucoup trop vite. Arctic Flyer pour moi aussi dans les derniers 150 mètres. Et Godjouel pour terminer faux sous la cravache de Souffoul dans la ligne droite, pour remonter Arctic Flyer et Newsman. Godjouel qui fait la différence contre Newsman, il y a une objection à l'issue de cette course. Oui, par rapport à l'incident qui vient d'arriver, derrière Chap Trap, le jockey Ali Hossein vient dire qu'il était un peu incommodé par Godjouel, mais man commissaire fin overrule l'objection de Ali Hossein et je fin même dire que l'objection là est limite frivoleuse et je fin maintenir l'ordre d'arrivée. Voilà, Godjouel qui a été monté par Dinesh Souffol, pour l'écoute, le jockey mauricien. Dinesh, très belle monte chez le nouveau Godjouel dans la dernière course qui, malgré le fait qu'il est en ligne sautine, un peu squeeze ou suivre pratiquement dans la poussière, c'est valable vraiment refaire de terrain pour gagner d'un style plaisant malgré son absence en compétition. Oui, une très belle victoire, mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas un galpique ben champion. Pas 4 heures et clics, mais il y a un champion et que ça va ben, c'est qu'il est un galpé là parce qu'il est 0-20. Et au Getso Forum Sud-Afrique qui est assez là-haut, mais du coup, il n'est pas gagné plus qu'un an, il n'est pas galpé 22 mois. Et il n'y a donné un petit sens, pas un grand sens, parce qu'il n'est pas galpé trop longtemps. Au final, il est un cheval out of competition, ce n'est pas facile pour dire oui, il est capable de gagner, il est easy. Ça, mais il fait très bon les courses, même si on gagne des bandes les courses, ça qui est une zone, on gagne un peu en désordre, parce qu'il y a un nouveau, première fois on gagne là. Et manière on gagne un peu, manière on gagne sur les courses, je pense qu'on va la suivre pour l'avenir. Vasco Street Tractor, une petite déception dans la course principale. Nous remarquons que c'est là qui m'entraînait un peu ardent. C'est pour cette raison-là qu'on propulse les avant-postes. Qu'est-ce qu'on a à dire de sa performance là? En fait, je n'ai pas une décision pour moi. Vous connaissez, je gagne l'instruction, c'est Assis Midfield, et c'est valable d'être un souhaité.
lignement assis midfield, c'est possible. S'il sort trop bien, des fois, ça pas les me connaît sur mon premier coup, s'il sort bien. Mais mon zénin, je au départ, mais quand même, ça l'est en mon trou un peu wide. Moi, je prends N2 pour assis 1-off pour l'excès. Edith Arotrel, mais les temps arrivent là-bas, mais ralenti, je suis allé overreact, et puis je tire un petit peu. Mais en place, je me descends, parce que je trouve un peu trop répond, je me descends. Parce que l'in gagne devant aussi, c'est pas là. Et maintenant, le devant, mais je pensais de la catégorie, là, pour gagner un peu de difficulté pour l'avenir. Parce que la ligne, elle peut être assez. Il y a ça, il y a ça, c'est élite. Et comment qualifier la performance de Afrenchi pour se rentrer? Je j'espère qu'il y a plus bon les courses que ça, mais peut-être les temps ça se va là, Castellin sorti, c'est va le Kirimengo, on peut pas trop rappeler qui se va. Et l'in Castellin sorti dans les lignes, l'in slip dans un stall, mais il va nous sauter aussi. Mais l'in fait ça des trois fois avant aussi, mais on peut dire ça que ça se va là, l'in fait ça. Et il va nous sauter bien. Et l'état de suivre, mais enfin, il y a un peu moyen pour performance, il y a un peu moyen. Vous avez un coup qui va nous essayer de nouveau l'équipement pour guetter comment les réacteurs les courses pour l'avenir. Dinesh Sunga, l'occasion montre quelques chevaux de l'écurie Vincent Allette à l'entraînement, dont Giratorio, qui fait que un début très prometteur. Est-ce que vous êtes capable de confirmer que sa course-là fait une improve par rapport à ce premier sorti? Là, ce premier galop, après qu'il ait galopé la première journée, qu'il n'est pas dessus la façon dont il a galopé, il a galopé un peu des autres. Comme vous voyez, à l'entraînement, il n'a pas montré rien de mal. On espère une victoire avec les premières journées même. Mais c'est vrai, il fait nous un petit peu dessus la façon dont il a galopé un peu green. Quand nous pas espérons qu'il est pour green comme ça. Mais j'espérais la deuxième course qu'il est pour galoper, il est pour galoper mieux que ça. Aujourd'hui, nous faisons l'entraînement, il fait pareil comme il fait, normal, tranquille. Et il n'est pas fait aucun de mal. On espérait qu'il garde ça rythme, qu'il apporte sa victoire le plus vite possible. Et comment passe la progression du nouveau Massimo qui fait une passe en Barrier Trial mardi? Ce deuxième Barrier Trial aujourd'hui, parce qu'il a remis Barrier Trial, il fait un peu en désordre. Mais aujourd'hui, il fait ce Barrier Trial, il fera. Assez correct. Et il est pour bien, il y a un nouveau, il y en a beaucoup pour y en prendre, il y a encore zen. Et il est pour venir petit à petit. Je pense qu'il est un peu plus galeux, il est pour bien. On a eu l'occasion de faire travailler également deux nouveaux Dinesh, Parker et également Master of Disguise. Un petit mot sur la forme et la progression de ça des nouveaux là. C'est encore bien loin. C'est encore un bon travail bien fait pour améliorer. Et je pensais qu'il pourrait prendre plus de temps. Ça peut venir petit à petit. Nous, comme M. Allette, il n'est pas trop pressé que ce Mansuval tout le temps. Il faut que Mansuval soit prêt pour racer pour racer. Dinesh, vous jouez un grand rôle dans la préparation de Twist of Fate en vue de la Duchesse. Comment aurait-il ça ce Mansuval-là, ce forme actuel et ce bonne chance dans la grande course? Il y a des Mansuval qui n'ont plus beaucoup de groupes. Les courses groupes en Afrique du Sud qui peuvent galper ici. J'espérais qu'ils galpent pareil comme ils galpent Sud-Afrique et amener une victoire pour l'équerrer, une victoire classique qui me pensait nous bien mériter depuis un peu l'année. Là, cette année, si nous gagnons un cheval qui est assez haut niveau dans mon groupe, j'espérais nous amener une victoire classique chez tout cette année ici. Et nous, des victoires classiques, c'est mieux pour nous. Sinon, un cheval qui est une montée ou soir qui tape dans l'IA en entraînement et pour penser pour galoper bien la prochaine fois? En fait, la façon de galoper, j'espère qu'il galope bien, mais seulement là, comme on me dit, je ne peux pas trop rate high parce qu'il n'est pas une galope, il n'est pas une bonne champion. Et je suivre pour l'avenir. Dinesh Souffol, le micro de Kamlesh Rajkumar. Dynamite Jack, l'écurie en Meshwar Gajdot, il a pas mal de chance sur papier. Et la victoire est venue de Dynamite Jack qui continue sa progression au champ de Brasse. Oui, il justifie la confiance de son entourage. C'est Val-là, tu déjà remporté 3 victoires en 6 outils l'année dernière. Tu es capable de faire mieux et de réaliser un meilleur parcours l'année dernière. L'intersaison, tu démontres qu'il y a un cheval qui fait une montée en puissance.
Et il confirme sa progression, il remporte une convaincante victoire à sa cinquième course, qui fait nous penser qu'il pourra encore compétitif à un niveau supérieur à l'avenir. Nous regrette la victoire de Dynamite Jack. Oui, il fin démontre une certaine maniabilité, se jockey par une bouncy, et il montre vitesse. Il fin déboute Prince of Persia, qui est sur l'intérieur. Il fin fait un effort, et malgré ces efforts-là, il trouve ce jockey une réussite cette ligne, et derrière Hubble qui fin ensuite insister pour aller devant. Hubble qui fin rater un peu son départ. Un départ qui manquait pas mal d'incidents qui tiennent avec The Byzantine qui avec Charles Teniro qui s'est retiré donc derrière les Stalls. Par la suite, Dynamite Jack, Jamie Alioussen finit laisser souffler dans le dos de Hubble avant de manier un deuxième effort pour ne pas laisser box pas pour une sorte de percha qui tient sur l'attaque à l'extérieur. Et c'est voilà, réaccélérer dans la ligne droite. Bien vraiment dans un joli style. Il faudrait vraiment un bon cheval pour faire ce qu'il est fin faire dans les courses. Hein. Et je pense que pour continuer, il est capable d'avoir une des trois victoires d'ici la fin de la saison. Dynamite Jack, nous avons le joli finish de City Kamadan, c'est également dans ce lot. Dans l'écoute au sujet notamment de Dynamite Jack, Subiraj Gajedor. Subiraj, Dynamite Jack gagne un joli style malgré une première participation dans le benchmark de 56. Définitivement, une course qui peut encore démontrer sa vraie limite. Nous espérons pour nous qu'il peut encore démontrer. Il se très bien depuis le commencement de la saison. Et we expected a good run. He was up to expectation. Et très bonne performance du nouveau Red Force One. Un course qui mérite d'être suivi définitivement dans sa classe avec plus de maturité. Tout à fait, il fait un joli course, il gagne tout, il prend qu'il bat tout, il gagne bat partout, et il est un petit peu hésitant à l'open crossing, mais il finit très bien et il nous espère qu'il gagne avec nous une victoire sans rien. Un peu malchanceux avec Flower Escape et surtout Now Fast Mal qui finit piégé, pas mal vainqueur, qui finit gagner tous leurs autres loisirs aux avant-postes. Ça a une tasse d'un choix, Flower Escape. Pancaro gagne passage ici à l'intérieur de Kakuta et il reste à même. Et Colo Sprinté, Pancaro refait tous les deux sur la même qualité, Pancaro refait ground. Nao Fazmal, Jamie en descendant en diamant, il fait un tiré au cheval là, il est un petit peu plus près. Et parce qu'il est là, c'est trop divin et quand il est impossible pour faire ça pour cette différence là, et bon, on nous a accepté. Par contre, une performance très encourageante de Protea Paradise sur sprint, un coucher qui mérite d'être suivi sur plus long désormais ce bout. Il paraît mieux sans rien là. Nous sommes nous donner un run, nous avons un coup de moyen y aller. Et nous essayons, l'autre coup, nous mettons une longue distance, mais il performe pareil. Subiraj, nous connais la Duchesse pour disputer ce samedi. Bag of Tricks, Panless Man, tu as fils insensible à l'entraînement. Est-ce que vous pensez qu'il sera là prêt pour la grande course? Non, il est prêt, il a beaucoup de travail, il a depuis là assez longtemps. Et il est très bien, mais il peut pas être combien de cheval coriace. Mais comment nous dire, if you don't buy the ticket, you can't win the lottery. Alors, nous peut essayer. Et qu'en est-il du gross gallop de Battle of Alley Jam du matin? Non, gross gallop, c'est l'utilisation de sprint. Nous donnons ce sprint grand matin. Il est parti à l'eau grand lampis, dit-tu, à Porto Boyer Trials. Et up to it, il fait un joli sprint. White River fait une passant Boyer Trial mardi matin. Comment évaluer cet exercice-là, Subiraj? Il paraît d'un petit peu lourd, mais moi tu expectes better dans la ligne droite. Mais il n'est pas si gagné passage, parce que c'est un décevoir du vent un petit peu sans sens de la ligne. C'est un petit peu. We can't complain. He's getting there, so keep fingers crossed. Et nous connaissons que l'écurie il prend beaucoup de patience avec White River depuis sa blessure dans le Méden. Est-ce qu'il est capable de confirmer si ce problème-là c'est du passé maintenant? Vous connaissez, confirmer, pas pouvoir confirmer. Training avec les courses, c'est des affaires différentes. Ce qui nous fait dans le training, ce n'est pas la même chose que les courses. C'est pourquoi nous donnons un trial aujourd'hui. Peut-être qu'il need one more, parce qu'il est aux courses depuis a long time. We'll see how it takes this week, and then we'll decide next week. Subiraj, plusieurs nouveaux à l'écurie, Yorktown, Bassam, Sid's Liaison, Matchless Captain, Ultimate Warrior, Béni des Dieux. Si vous n'avez pas pu se découcher dans sa lue-là, qui vous pensez pour un bon compétiteur cette année-là?
Nous expectons toujours un bon compétiteur parce qu'il nous passe souvent pour ne pas faire bien. Mais le propriétaire, pour tous nous. Mais ben souvent, je peux adapter bien. Nous, we'll try our very best. Mais pour CD, difficile pour CD pour l'instant. Les autres font un galop, un peu poussé. Et nous avons fait un bon état des lieux. Et comment évaluer la forme de Jukes Domain et de Men from Seattle à l'entraînement? Men from Seattle, il est tout le temps bien. Il est très, très bien. Il travaille bien ce matin. Il est galopé samedi. Nous avons comment y aller. Et un coucher qui vraiment ou estimé ou pensé pour galoper bien la prochaine fois? M'espérer, nous souvent qui calme le premier course, Red Force One. Subira Jugajada, donc, qui cause également sur White River. White River qui finit effectuant un boy trial. Oui, un boy trial. Il s'est un peu pris de vitesse au passage de la route, mais par la suite, quand Suzuki nous sollicite, il réfère du terrain dans la ligne droite. Mais même si Boyd n'est pas aussi impressionnant que nos CP Expect, le plus important pour l'entourage du cheval et pour ce bon fan, c'est que ce cheval-là retourne à l'écurie safe and sound. Peut-être qu'il est pour en action lors de la quatrième journée dans l'épreuve principale, quand il pour retrouver probablement Patrol Officer lors de la route. Il n'est pas fini de galoper depuis le Méden de l'année dernière. Je pense qu'il est capable de faire les courses pour retrouver tous ses moyens, mais c'est un cheval de classe. Et le plus important, c'est qu'il nous réjouit à nous, nous retrouver en compétition très rapidement. Nitin finit également une victoire pour l'écurie Gujada grâce à Roman Dancer qui finit galop bien l'osso fraîcheur monté par Stephen Donoyo. Et malheureusement, Roman Dancer qui finit également saigné. Oui, c'est un cheval qui a un potentiel. Malheureusement, il y a une blide chronique. Il a déjà saigné des deux narines dans le passé. Mais il paraît que son entourage, depuis ce dernier course qu'il a gagné avec Ocharaz, je pense que c'est un mieux maintenant. C'est un cheval qui part content bousculé au départ. Et il y a une short burst. Et le jockey Donoyou, c'est un jockey qui, quand vous êtes sur Manamo, qui part content bousculé sur un cheval au départ. Et les finit entendre bien avec sa cheval-là, il finit monter dans une jolie cile pour remporter une belle victoire. Malheureusement, cheval-là finit saigner une nouvelle fois après la course. Nous venons sur cette victoire de Roman Dancer, ici au départ. Avec un coursier qui s'est déclaré. Snowy Mountain, qui finit déclaré non partant parce qu'il n'a pas fini avec toutes ses chances. Au départ, à l'avant, c'est la lutte pour le commandement entre Promissory et Likeyo. Roman Nansen nous trouve une sortie du premier couloir et les films suivent en midfield. À l'avant, donc, Promissory, Tripod et Likeyo à la lutte pour le commandement. Il y a un bon trait dans les courses qui fait une shoot perfectly à Roman Nansen qui fait une galop bien relax pendant la majeure partie du parcours. Et le jockey Odonio, là nous trouvons les perrons souffrants et il peut attendre le moment opportun, il peut rôder le passage. Roland Boutani décide de voir complètement à l'extérieur sur Trip to the Sky alors que Odonio lui, il peut engueuler sur ses vals entre Tripod et Likeyo et Roman Nansen pour sortir un joli kick dans les derniers 150 mètres pour remporter la victoire devant Trip to the Sky. Roman Nansen. Alors que Stéphane Denoyeux pour un sell sur Count Jack. Pour le compte de l'écurie Gilbert Rousset dans la Duchesse. La Duchesse, bien sûr, première des courses classiques de cette saison. Nous étions un coup d'œil, l'entrée qui vient de recevoir. Twister of Fate, Count Jack, Alain Rams, Marshall Falk. Nous avons également Arizona Silk, Stop All the Clocks, Master of Illusion, Battle of Alesia, Padre Pio et Bag of Tricks. Oui, le cheval a battu le papier, Twister of Fate, le meilleur cheval à avoir débarqué chez nous
suivre sa forme sud-africaine. C'est vrai qu'il y a un rating 126 en Afrique du Sud, highest rated horse de la course. Je trouvais très bien au niveau de la condition sur l'entraîneur qui fait un gros travail avec lui, parce qu'il peut être un parmi Manceval qui arrive en retard si les courses commencent le 20 mars. Mais le confinement finit en sa faveur. Et c'est Valen bien progressé, beaucoup de travail avec Woltak notamment, qui finit bien galoper la semaine dernière contre Aliasat. Tout ça fait qu'un vainqueur de 6 courses en 24 sorties, de 1000 à 1800 mètres. Bon, quand on suit ce Barcou, plus que moi en Afrique du Sud, Radiv, est-ce qu'il est le 1400 mètres pour vous, c'est sous distance idéale? Et tu commences le sprint, comment beaucoup Séval, beaucoup Zan Séval en Afrique du Sud, quand tu fais bien. Après, il fait une monte en distance, mais je pensais sur l'entourage, une conditionnée pour reprendre justement le sprint. Capav, il n'a pas les autres partants qui mieux sur cette sprint, distance à ce stade, parce que tu sais, en fait, une monte par la suite, le une distance plus longue en Afrique du Sud, mais l'Osso Valère, c'est un coup qui vient de faire le bonheur, nous rappelle de la famille Nagado en Afrique du Sud. L'Osso Valère, définitivement, nous vient compte avec les acheter pour pratiquement, non, rien du tout, 30 000 rands, si on ne pas trompé, nous connaît le parcours qu'il est fini de gagner. Donc, à suivre certainement, sinon il y a Count Jack qui réalise de belles choses. Oui, Count Jack, derrière Twist of Fate, c'est deuxième séval de classe de la course, 4 victoires en 9 sorties en Afrique du Sud. Dépôt monté par le jockey de l'écrugage d'or Stéphane Donoyou qui monte lui pour la deuxième fois mardi. Et Séval là, il fait un strong galop, 61 secondes le 1000 mètres, 35 secondes dans les 600 mètres. Lui aussi, c'est un très bon coursier. Il a un rating 108 à la fin de sa carrière sud-africaine. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est ce travail, ce gros galop qu'il a fait avec Aliasat mardi dernier. Il était vraiment très à l'aise à l'intérieur de Aliasat, qui est quand même un gros morceau. Donc, ce travail-là, nous devons respecter. En tout cas, il y a un joli plateau qui nous est proposé pour la Duchesse, un coursier qui est certainement appelé à progresser davantage après cette première sortie. Pas pour évident, voilà, pour le chef d'éventuel vainqueur, parce qu'il y a les autres, man outsider, qui nous ont également considéré dans cette course. De l'équipe pour à l'occasion, Kozola, dans l'émission Tough Time, vendredi soir. Merci, Nitin, merci également à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, messieurs, merci de votre attention, bonne soirée et à bientôt.